Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour le deuxième jour de calendrier de l'Avent. Donc je vais les rassembler. Donc on va commencer par la phrase du jour du 2. Donc le 2, donc la phrase du 2, c'est refuser d'aimer par peur de souffrir. C'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Donc ça, c'est une phrase, c'est mon chéri qui l'a mis, voilà, sur ce truc. Enfin, on trouvait des phrases sur internet et voilà. Donc refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Donc voilà, donc c'est numéro 2 de la journée. Donc pour la boisson, le numéro 2 c'est Bibi et elle n'est pas là, donc on verra ça lundi. Voilà, donc pour le calendrier ici, je prends le numéro 2. Ouh. Oh, il ne souffre pas. Mais je sais c'est quoi, c'est un chocobon. Voilà, donc super, donc un chocolat, chocobon, chocobon. Voilà, donc merci. Je ne mange pas beaucoup de chocolat, mais je sais qu'il y en a qui vont se battre pour ça. Je mange très rarement du chocolat. Ce n'est pas tous les chocolats que je mange. C'est pas parce que j'aime pas, hein. Mais c'est parce que mon, voilà, c'est mon estomac qui ne veut pas. Mais je vais donner aux filles, elles vont chacune leur tour. J'arrive à manger certains bonbons, mais pas tous les chocolats. Ensuite, celui-là, j'arrive à bien manger. Ferrero Rocher blanc. J'arrive. Ça m'arrive de manger des Ferrero Rocher, mais un seul. Ensuite, là, c'est mon nom. C'est moi qui ai en deux. Voilà. Et j'ai un Bounty. Ça, j'arrive à manger aussi. Donc, voilà. Numéro 2. On va voir c'est quoi que j'ai comme cadeau. Je sais, mais du que j'avais mis. Ah! Donc, échantillon Chanel. Donc, voilà. Gratuit. Donc, voilà. Donc, moi, chez Chanel. Donc, voilà. Le Bounty, je le mange ou je le mange pas? Je le mange, puisque c'est tout à l'heure l'heure de manger. Ensuite, Sephora. Je vais chercher le numéro 2. Là. Numéro 2. Donc, c'est un truc pour le bain. Pivoine. Crème de douche. Voilà. Super. Voilà, ça fait les deux cadeaux de Sephora. Donc c'est le premier et le 2. Ensuite, j'ai pas oublié, il y a un petit candle. Non, ça. Donc je vais l'ouvrir. Donc numéro 2, ici. Donc le 2, juste après. Donc voilà, c'est ceci, c'est un petit, c'est une gant mais en ferraille pour accrocher au bracelet que j'avais reçu déjà. Et après je vais le donner à un enfant à l'école quand le bracelet aura pas mal de petits déco. Donc voilà, ensuite, donc le dernier, lunettes encore parce que la fille elle ne voit pas le numéro. Donc voilà, numéro 2. Donc ça va être de l'autre côté, 2. Il y a du plastique alors. Ça sent trop.
Oh, tu sens l'odeur de loin là-dedans. Franchement, ça sent trop bon. Donc voilà, c'est le verre. Donc je ne sais pas c'est à quoi. Il va falloir que je regarde bien. Et j'ai les deux là. Donc je, franchement, je préfère avoir des bougies qu'on allume que des tartelettes. Parce que les tartelettes, il faut reprendre une bougie, mettre en dessous pour l'allumer. Donc ça me saoule. Je préfère ces trucs là. Ça sent trop bon. Celui-là, c'est assez fort. Hein, il sent bon. Hein. L'odeur, elle est intense. Donc voilà. Le premier et deux. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce morceau de vidéo. Donc je l'avais collé à celui de demain matin. Donc voilà. Je n'ai pas eu le temps d'aller vous ce matin. Je l'ai voir ce soir. Donc à demain matin. Bye. Non, ça c'est. Ah non, c'est bien ça, c'est pas ça. Je me suis trompée, mais c'est ça. C'est le numéro 3. Moi, j'ai peur. Oui, merci. Voilà, vas-y. Donc, c'est le numéro 3. C'est la date 3. Bien emballé. Bibi à galerie. Et là, toi, c'est un shampoing brillance de chez Yves Rocher. Un échantillon. Donc, voilà. Et je pense que tu as du chocolat dedans. Donc voilà. Ah ouais. Deux petites bouteilles. Deux bouteilles d'alcool, du rhum et triple, je sais pas c'est quoi. Donc voilà. Coucou les filles et les garçons. Donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Ouverture de calendrier de l'Avent du 3 décembre. Donc on va commencer par la première phrase. Dicton, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, mais ce sont des phrases. Donc. Numéro 3, il est où? Numéro 3, si tu aimes une personne, aie assez de courage pour lui dire, sinon, sois assez courageux pour la regarder être aimée par quelqu'un d'autre. Donc, je répète la phrase, enfin, le truc. Si tu aimes une personne, aie assez de courage pour lui dire, sinon, sois assez courageux pour la regarder être aimée par quelqu'un d'autre. Nanou. Donc voilà les filles et les garçons, c'est la phrase calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Ensuite, la boisson, donc c'est la boisson numéro 3, c'est moi. Donc le 2 c'est Mélanie, mais elle n'est pas là. Donc numéro 3. Je savais ce que c'était hein, celui-là parce que c'est la seule qui est aussi grand. Donc voilà, c'est Arizona, c'est du thé chinois, mais je ne sais pas si j'aime... Je me rappelle plus si j'ai déjà goûté ça. Donc voilà. Voilà. Ensuite, le cadeau du calendrier que mon abonné m'a offert. Et je sais c'est quoi qu'il y a dedans. Pour ceux qui ont vu le swap. Voilà, je savais. Donc, oula, voilà. Donc c'est un... C'est écrit... Ah, j'ai déchiré en plus. Ça s'est décollé. Body wash. Donc, selon les commentaires que j'ai reçus hier, enfin hier, oui, body wash, c'est gel douche pour le corps. Donc voilà. Pivoine. Ah ouais, ça sent trop bon. Donc voilà. Et la couleur, j'adore. Donc merci. Ensuite, Sephora. Donc voilà, numéro 3, t'es où, là. Je le vois, mais j'arrive pas à le retirer. Le numéro 3 qui veut pas sortir, voilà. Donc c'est quoi ça? Oh, donc c'est un crayon transparent et c'est quoi? Lunettes. Donc c'est
universel, fixateur universel. Sourcil. Oh bon. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi juste ça sort. Ça sort. Ça sert. C'est écrit fixateur universel. Sourcil bois. Bon. Donc, si vous connaissez, vous me dites. Je connais pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Ensuite, on va... Le petit bracelet. On va ouvrir. Voilà. Troisième trou. Voilà. Le troisième trou, c'est une petite perle blanche pour accrocher au bracelet. Attends. Hop. Ça fait mal quand on... Voilà. Donc je trouve quand même, c'est quand même un super calendrier de l'Avent. C'est pas mal. Bonne idée. Voilà. Donc ça donne ça pour l'instant. Donc on va suivre avec le reste qui va arriver pour demain. Ensuite, et le dernier calendrier de l'Avent, c'est Yankee Candle, numéro 3. Numéro 4. Donc le 3 doit être de l'autre côté. Ça, 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 ça. Et je vais mettre mes lunettes pour trouver le numéro 3. C'est quoi ça? 3, 9, 9, 9, 9. T'es où toi? Ah oui, ici. Pas évident. Donc je dois faire un petit trou. Il y a une case qui est déjà pratiquement. J'ai gardé le plastique devant, c'est pour ça que je galère autant. Parce que j'ai cette case-là qui est pratiquement ouverte. Ça sent bon aussi. On dirait que c'est caramel. Donc voilà la couleur. Et franchement, l'odeur est top. Ouais. Donc j'ai hâte d'allumer tout ça. Mais je ne sais pas si je vais les allumer tout de suite ou si je vais attendre de les avoir tous pour faire une belle photo. Donc voilà. Yankee Candle. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai pas oublié de calendrier. C'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à demain. Bye. Profitez de vos familles, les filles, les garçons. Profitez pendant qu'ils sont là.